Bonjour. Sur ce podcast, en fait, c'est plutôt un podcast de fête parce que j'aimerais plutôt remercier tout le monde pour vous être abonné à la chaîne parce qu'aujourd'hui, 26 novembre 2023, elle vient de dépasser les 1000 abonnés. Ça, c'est vraiment une très bonne chose, évidemment, pour la chaîne. En fait, ça apporte pas d'autre chose qu'un milestone, ça veut dire c'est un point de repère. Voilà, 1000 abonnés, ça crée une crédibilité. On a affiché 1K sur l'écran de la page d'accueil. Et j'espère que ça va me permettre d'avoir un contenu, en plus de ce que je fais habituellement, évidemment, d'avoir un contenu encore plus professionnel. Et donc qui peut intéresser des entreprises. Voilà. Les podcasts, je les ai voulu. Alors, dernièrement, c'est vrai que j'ai fait des podcasts pas mal sur les certifications et l'âge, etc. Sur des situations un peu, voilà, que c'est pas des sujets que très techniques, vraiment que je traite d'habitude en vidéo. Mais c'est vrai que les podcasts, ça doit rester plus quelque chose qui est un peu de l'ordre de, comment dire, de ma personnalité. C'est-à-dire, j'aimerais pouvoir afficher plus de ma personnalité à travers ces podcasts. C'est pour ça que je les ai créés, hein, voilà. Et donner mon opinion sur, voilà, peut-être la conduite dans le métier, le management, ce genre de choses-là, les relations humaines, et dire un peu ce sur quoi je suis content, ce sur quoi je suis pas content. Et peut-être de manière un peu à ce que vous qui me suiviez au niveau technique, vous ayez de moi une vision, disons, humaine plus exacte. Parce que c'est bien de voir des schémas et des trucs, mais après, vous ne savez pas vraiment nécessairement à qui vous avez affaire. Et je trouve que le podcast, aidé aussi par les directs quand même, il faut bien l'avouer, eh bien, ça aide à communiquer un peu ce genre de choses. C'est pour ça d'ailleurs, sur les formats que j'utilise sur YouTube, en fait, il y a tout sauf les shorts. Les shorts, parce que je me suis aperçu que les shorts, c'était pas nécessairement voilà, très pertinent. Et je trouve que les directs remplacent très avantageusement, de manière très avantageuse, les shorts. Évidemment, il y a une différence fondamentale de longueur. Les shorts, c'est quelques secondes, et puis les directs, ça va durer même plusieurs heures. Mais je trouve qu'en termes de ce que ça peut apporter d'interactivité, de réactivité, un peu de choses comme ça, les directs, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et donc, j'ai l'intention de continuer comme ça, c'est-à-dire vraiment faire. Alors, des directs, en ce moment, j'en fais beaucoup. Vous avez remarqué que ça marche par période. Hein, j'en ai fait beaucoup au mois d'août. Ensuite, j'en avais fait pas mal au mois de début, fin septembre, début octobre. Et puis là, j'en fais pas mal. En fait, l'idée des directs, c'est de me dire, voilà, j'ai pas trop envie de donner des rendez-vous trop longtemps à l'avance. Parce que pour des raisons techniques, je ne suis pas vraiment sûr de disposer du matériel nécessaire, de la bande passante qui va bien, etc. Et j'ai toujours un peu des hésitations de ce côté-là. J'ai pas nécessaire, enfin, c'est surtout que je n'ai pas nécessairement de backup disponible. Donc ça m'embête un peu. Je le fais que dans des cas extrêmement précis pour des raisons professionnelles. Mais sinon, je ne veux pas donner de rendez-vous. Donc pour éviter de décevoir un peu tout le monde, ce que je préfère faire, c'est des périodes dans lesquelles je fais beaucoup de directs à différentes heures de la journée. Donc comme ça vous permet d'être là dans le direct, d'intervenir, vous posez des questions dans le chat. J'ai jamais refusé aucune question, hein. Je veux dire, même si vous sortez du sujet principal, ça pose pas de problème. L'important, c'est que vous soyez là puis que vous puissiez intervenir. Donc voilà, et je trouve que c'est assez satisfaisant en fait. Parmi les sujets que j'ai eu l'occasion de traiter dans les podcasts, donc voilà, vous avez compris, hein, c'est vraiment plutôt relations humaines, un peu ce que je pense, etc. Il y a un peu quelque chose qui m'a. Il y a un podcast qui s'appelle Management, les trois qualités innées du manager. Et là, je n'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé sur ce podcast-là. Donc, s'il y a des commentaires quelque part,
Bah, ça serait très bien. C'est, j'ai vu que ce podcast, en fait, était très vu, mais par contre, les gens restaient pas nécessairement très longtemps, et en plus, il y avait pas mal de dislikes. Alors, pourquoi pas, hein, je veux dire. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans les podcasts, c'est justement, en fait, je trouve que le podcast est intéressant à partir du moment où il y a quand même un certain nombre de dislikes, parce que ça permet de montrer que bah, tout le monde n'est pas d'accord. Et voilà, je trouve que ça c'est plutôt positif. Mais voilà, je n'ai pas trop compris pourquoi il y avait beaucoup de vues. Alors, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le sujet du management, c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. Voilà, est-ce que le fait d'approfondir plus sur le management, ça peut être dans le domaine technique, hein, et puis ensuite, il faut voir, management, il y a quoi dans le management? Il y a l'organisation. Il y a les relations humaines, le leadership, enfin bon, tout ce genre de trucs-là. Autant vous dire, je pense que vous l'avez un peu compris, hein, en suivant mes podcasts, mes lives, etc. Je ne suis pas trop quelqu'un sur les nouvelles méthodes de management. Je pense que vous avez dû un peu le comprendre. Je trouve que, voilà, je pense qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et des choses qui sont des illusions, et à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'illusions, et on n'est pas trop sûr des choses qui marchent. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, hein. Je suis toujours très attentif à votre avis, et ça m'intéresse justement d'avoir des échanges à ce sujet. Et donc, bah, je vous remercie encore, hein, pour les 1000 abonnés. Et puis, j'espère que ça va continuer comme ça. Et surtout, j'espère que j'arriverai à produire du contenu qui soit toujours aussi intéressant. N'hésitez pas, le contenu est intéressant. C'est aussi grâce à vos idées. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée.